Je suis honoré de prendre la parole. Pour moi, l'océan est un thème qui éprouve, devant l'immensité de la mer et de ses profondeurs invisibles et indonçables, un mélange de fascination et d'inquiétude ou de malaise, voire de terreur. Et oui, quand se lève la tempête, l'océan se métamorphose en un monstre effrayant. J'aime le fait que l'océan devienne un personnage qui prend la parole. Écoutez. L'aurore avec épouvante regarde mon eau vivante, mes rocs ouverts, mes colères, mes batailles et les glissements d'écailles sous mes flots verts. C'était un extrait d'Océan du recueil La Légende des Siècles. J'apprécie représenter les flots sous toutes leurs formes en dessin, comme dans Rencontre en mer, La pieuvre, Navire dans la tourmente ou encore Ma destinée. Les titres parlent d'eux-mêmes. Je finirai par dire que quand je contemple l'océan, je songe aussi à toutes les vies humaines que ces flots ont brisées et englouties. Une vision terrible et grandiose me vient où l'image de la mer se fond avec celle de la mort. Je me dis que j'ai de la chance d'être là, je me sens heureux, puis je me remets à contempler les flots comme si j'étais rebaptisé Hugo C.